Hey, salut la petite team! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer un petit glitch qui va vous permettre d'accéder à la partie gauche de la cime des géants sans faire la quête. Allez, let's go! Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier de votre soutien car la petite team s'agrandit de jour en jour et ça fait vraiment plaisir. Je vous invite tous à rejoindre mon serveur Discord afin de s'entraider et surtout échanger sur les meilleurs builds et surtout discuter autour de Elden Ring. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à tout de suite sur Discord. Allez, assez parlé, passons à la vidéo. Let's go. Alors pour commencer, il faudra se rendre à la cime des géants. Et exactement au feu de grâce de la grande porte de Sol Castel. Si vous n'avez pas débloqué ce feu de grâce, ne vous en faites pas. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment y aller. Donc le but étant de se rendre sur la partie gauche de la cime des géants, sans faire de quête. Une fois que vous avez apparu sur votre feu de grâce, je vous invite à suivre exactement mes pas. Donc là, il va falloir passer sur la gauche du rocher. Et là, vous allez avoir le boss, le volatile funéraire. Donc ne le tuez pas. Mettez-vous au rebord et faites un double saut. Faites attention de ne pas tomber. Là, le but est de sauter entre les deux rochers. Faites un double saut. Et pour que cela marche, il faut faire un rebond et tomber entre les deux rochers. Si vous avez fait exactement comme moi, c'est réussi. Si vous êtes tombé et vous êtes mort directement, cela ne marchera pas. De toute façon, une fois que vous êtes mort, il faut que ça apparaisse effigie de Marika. Apparaissez à l'effigie de Marika. Et là, vous voilà dans la partie gauche de la cime des géants sans avoir fait de quête. Alors maintenant, je vous invite à aller chercher le feu de grâce à Ordina, la cité liturgique. Cela vous permettra d'avoir un feu de grâce pour réapparaître dans la partie gauche de la cime des géants. Alors si vous n'avez pas débloqué le feu de grâce, la grande porte de Sol Castel, je vais vous montrer comment vous y rendre. Donc pour cela, il faudra toujours se rendre dans la cime des géants, au début, au feu de grâce, antique ruine de la vallée. Une fois que vous avez apparu, suivez exactement mes pas. Alors le premier feu de grâce que nous allons chercher est le lac gelé. D'ailleurs c'est un très bon endroit pour faire du PVP. A partir de là vous pouvez repartir vers le haut, monter la colline. Et nous allons chercher notre deuxième feu de grâce qui est proche du pont. Récupérez votre feu de grâce. Et maintenant, nous allons nous rendre au troisième feu de grâce, qui est bien sûr le feu de grâce de la grande porte de Sol Castel. Récupérez le feu de grâce et à partir de là, je vous invite à faire ce petit glitch. J'espère que cela va vous rendre service et de vous y rendre beaucoup plus rapidement. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, tchuss!